L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues est Benjamin Dard, journaliste. Il publie un livre sur les églises évangéliques, « Évangéliques, les nouveaux croisés » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Benjamin Dard. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Merci un... de invité. C'est un succès inattendu de l'aveu même des évêques. Le week-end dernier, 12 000 adultes ont reçu le baptême lors des vigiles pascales. Ce nombre n'avait jamais été aussi élevé depuis 20 ans. Mais ce dynamisme apparent de l'Église de France ne doit pas cacher une autre réalité, celle des, égl... des églises évangéliques. Y a-t-il la même dynamique au sein des églises évangéliques Sur les, les baptêmes. Euh, elle, alors, je ne saurais pas vous dire précisément. Simplement, effectivement, euh, Pâques s'accompagne systématiquement, effectivement, de, de, de baptêmes et pas seulement Pâques. Euh, moi, quand j'ai fait commencer mon enquête, euh, on, les, je pense notamment à Mulhouse. Euh, il y avait effectivement un certain nombre de baptêmes qui avaient lieu déjà dans, les, dans un certain nombre d'églises. Donc, on n'attend pas forcément ce moment précis pour, euh, voilà, pour, pour, pour les baptêmes. Et voilà, ça se fait. Euh, parce que vous avez enquêté sur les églises évangéliques pendant plusieurs mois, vous avez assisté à des cultes. Dans ce livre que citait Lucie, vous vous racontez tous ces cultes, notamment un à côté d'Aulnay-sous-Bois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, un culte évangélique, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers Alors attention, parce que je vais poser une condition préalable, c'est-à-dire qu'en fait, chaque église, si je veux dire, a une, un culte à, à part. Et c'est propre d'ailleurs aux églises évangéliques, c'est qu'il n'y a pas deux cultes identiques. Oui, absolument. Non, mais c'est important de le poser parce que vraiment, les églises évangéliques revendiquent eux-mêmes une certaine diversité donc à partir du moment où vous cherchez à les en... à les encadrer enfin à faire en sorte qu'ils ressemblent à, à tel ou tel chose ou et à généraliser vont... oui ils, mode... vont, ils vont systématiquement vous dire mais chez nous c'est différent donc vous de résumer un culte c'est un peu particulier parce que c'est vraiment voilà simplement ça se distingue des de, de, de églises catholiques en hein, effet, dans, dans la forme du rite ça c'est vrai euh, puisqu'il il a, a pas forcément des euh, notamment les communion il n'y a pas forcément les, les rituels que, que vous connaissez peut-être dans, dans l'église catholique et c'est vrai que c'est c'est surprenant euh, la façon dont ça, donc, Alors, vous avez cité à plusieurs culs peut-être euh, citons-en un. Donc, on est à côté d'Onésibois. Alors, Aulnay-sur-Bois, par exemple, c'est l'église qui est du charisme, donc je, du blanc bénil je, qui est pour le coup très à part aussi. Non, mais je pense à celui de, à, à l'église de, de Kevin Batista dans le Mantois, qui était effectivement assez intéressante. Donc, vous commencez par euh, par réunir les, les fidèles, d'accord Il y a un, un accueil qui est très y a un important, accueil extrêmement important. Donc, il y a une hospitalité, une convivialité, mais qui est majeure dans l'église évangélique. Alors, ceux, ils se connaissent tous. Alors, l'église de, 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 de Kevin Batista dans le Mantois c'était une trentaine de fidèles. Donc, on est voilà par rapport aux méga church où je me suis rendu euh, dans les banlieues euh, franciliennes. Ça n'a rien à voir évidemment où on est, on passe à 2000, 2000, 2000 fidèles Cha chaque dimanche, 2000 personnes. C'est impressionnant, c'est vraiment très très impressionnant. Donc, l'église de, de Kevin Batista, typiquement, ben voilà en tout cas, une forte convivialité, euh, et puis il y a des chants. Très très bien. Euh, voilà, très... Il y a un Il... soin tout particulier, expliquez-vous, dans la sono, dans l'accueil, dans la, dans la com. En dans fait, c'est ce, ce que j'appelle l'expérience client. <laughs> enfin, je dis ça avec beaucoup de respect que je, je porte euh, aux différentes religions qui s'expriment en France. Simplement, c'est vrai que vous avez une expérience client chez les évangéliques qui est très particulière. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'ils soignent l'accueil, ils soignent la façon dont vous êtes assis, l'acoustique, la, le, les chants, un certain nombre de, de, de ces paramètres qui sont très importants. Vous n'avez pas froid dans une église évangélique alors que si vous poussez les, 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 les portes d'une église catholique française. Euh, c'est froid et c'est humide. C'est froid, c'est humide, c'est austère et, si j'ose dire, mais bon, parfois triste. Euh, voilà, c'est pas très. A... Enfin, je vous dis pas que ça, ça ne disqualifie pas ce culte. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement, voilà, euh, l'église évangélique, euh, les chants vous accompagnent à, à l'extérieur même déjà de l'église. On est dans le registre de l'émotion parfois. Euh, mais carrément. C'est même pas, pas parfois, on est dans le registre de l'émotion, c'est même très important. C'est ce que vous disent les fidèles, Alors, les, les fidèles catholiques que j'ai retrouvés dans les églises évangéliques, ils, le, ils vous le confient, ils vous disent, mais en fait, c'est vivant ici. Voilà, euh, ils retrouvent quelque chose qui relève effectivement euh, de, de, de la, de, du ressort émotionnel. Qui sont ces, ces 2000 ah, personnes, ces milliers <laughs> de fidèles qui fréquentent les églises évangéliques C'est très compliqué. Enfin, là aussi, c'est la, la diversité, euh, enfin la diversité des cultes, la diversité des églises m'oblige à vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie dans ce que je vais vous dire. c'est très très, c'est très varié, d'accord il, il y a effectivement le, on va dire le, le, une base, un socle classique, traditionnel, mais ensuite le, comment dire, la, le dynamisme même des églises évangéliques. Repose essentiellement sur, euh, on va dire, la communauté d'accord qui effectivement euh, alimente énormément les nouveaux, euh, nouveaux venus chez les évangéliques. Donc c'est surtout de là que vient la croissance des évangéliques, la croissance assez fulgurante d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on voit les départements où cette croissance est la plus forte, où il y a le plus grand nombre d'évangéliques, on est sur des territoires ou d'outre-mer, ou des territoires assez pauvres. Exactement, Guyane, Martinique, mais aussi, euh, vous l'avez dit, la Seine-Saint-Denis, qui effectivement est le deuxième département où progresse le plus euh, euh, ce mouvement euh, chrétien. Nous sommes avec Benjamin Dar, il est journaliste et auteur d'une enquête sur, évang... sur les églises évangéliques ah, oui. en France. <laughs> en en 2008-2009, l'INSEE disait qu'il y avait euh, 43% de catholiques en France et 2,5% d'autres chrétiens. En 2019, 10 ans plus tard, 25% de catholiques, c'est donc presque 20% moins, mmh. et 9% d'autres chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication par euh, 3 ou par, par 4 d'autres euh, euh, ouais, ouais. chrétiens. Ouais. Euh, mmh. euh, Comment ça se fait Qui sont ces bah, autres chrétiens Ce sont les évangéliques. Bah, c'est ce que vous explique. Alors aussi, alors c'est ce que vous explique Sébastien Fatt, euh, sociologue su, qui travaille sur l'évangélisme depuis très longtemps, qui est absolument passionnant, et euh, Romain Chouanet, euh, par exemple du CNEF, hein, du, qui rassemble les églises évangéliques, 70 des églises évangéliques. Il vous explique en fait l'évangélisme. En fait, s'implante dans les territoires, comme la Sainte-Saint-Denis, comme vous le dites, qui sont des territoires d'immigration, d'accord Or, l'évangélisme nourrit des flux d'immigration, sur la, les populations africaines. Et donc, effectivement, ces communautés... C'est de l'immigration qui nourrit des, ah, une croissance du nombre d'évangéliques. Oui, mais sauf que ces communautés euh, africaines, de, donc, euh, d'immigrés, Vie, arrivent sur le territoire français avec leur, euh, leur, leur religion et transmettent, dans beaucoup de cas, leur religion à leurs enfants. Et donc, on retrouve du coup ce dynamisme-là, ensuite, effectivement, dans les, les églises évangéliques. Vous parlez d'immigration, vous parlez de, de, euh, de Seine-Saint-Denis. On pense beaucoup à l'islam dans ces oui. cas-là. Quelle différence y a-t-il entre l'islam et les courants évangéliques bah, vous, euh... <laughs> voilà. bah, Non, mais, si vous voulez, il euh, euh, y a une. Moi, je, 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 me suis, je me suis amusé, c'est pas le mot, mais en tout cas, je me suis intéressé à leur, à leur, effectivement, à leur concurrence sur ces territoires-là, puisqu'ils sont un, effectivement, en concurrence. Pourquoi Parce qu'ils s'adressent à une population à peu près identique, hein, avec euh, à une référence très très forte au texte euh, hein, littéral. Pardon. Euh, donc, le Coran dans un cas, la Bible dans l'autre. La Bible, c'est vraiment le code de la route chez les évangéliques. Euh, donc, il y a ce point commun également. Il y a des valeurs assez conservatrices. Euh, et ils s'adressent aussi à une population très jeune. Et ça, c'est ce qui est absolument marquant, c'est que, ce que dit, raconte très très bien euh, euh, d'ailleurs Villem, hein, Jean-Paul Villem, euh, euh, notre sociologue, euh, c'est vrai que, la, la, c'est pas un scoop, hein, la France se sécularise, hein, euh, avec un, recours, un recul, effectivement, de, 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 de la religion, simplement, en revanche, pas du tout de la spiritualité. Or, les, les jeunes sont en attente et aspirent à, à plus de spiritualité. Donc. Et les évangéliques, comme l'islam, les musulmans, eh bien, euh, sont sur ce registre-là. Lors, lors des émeutes, euh, vous parliez, on parlait de l'islam, on parlait aussi des, des banlieues et de Seine-Saint-Denis, lors des émeutes qui ont secoué le pays à la fin du mois de juin dernier, des églises évangéliques ont été la cible euh, de vandalisme, écrivez-vous. Pourquoi bah, c est, c est, alors, Ce que j'explique dans, dans, dans le livre, visiblement, euh, les églises évangéliques, eh bien, euh, quand elles s'implantent quelque part, euh, eh bah, c'est vrai qu'elles cherchent à pacifier, c'est pas une mission qu'elles se, se fixent, mais de fait, elles apportent selon leurs témoignages, une sorte d'œuvre de pacification. Et effectivement, elles vont s'adresser à des jeunes qui auraient pu être tentés par, peut-être, aller on va dire, de la délinquance. Mais les témoignages, d'ailleurs, Kevin Batista, qui a monté sa non-église dans le Mantois, c'est ce qu'il vous raconte. Il était tenté par... Bon, il a fait des, des petits coups, etc. Euh, il était aussi tenté par l'islam, on est parce que c'est intéressant. Et puis, finalement, il s'est tourné vers l'évangélisme. C'est vraiment passionnant comme parcours spirituel ou parcours, pardon, de vie. Il, voilà, il s'est tourné vers... Et c'est vrai que les églises évangéliques bah, gênent, on va dire. Elles peuvent gêner. Mais comme peut-être d'autres formes d'ailleurs d'implantation religieuse. Hein, à partir du moment où elles s'adressent à des jeunes et qu'elles détournent peut-être des voies, si je veux dire, d'allégances. Ça peut être ça. En tout cas, c'était l'une des explications qui a été fournie notamment par la Fédération protestante. Je me souviens qui disait ben voilà, en fait, il y a une œuvre pacificatrice des églises angéliques et quand ils s'installent quelque part, ben voilà, ils peuvent faire de l'ombre. À telle enseigne que euh, certains élus disent, mais... Euh, <laughs> implantons <laughs> des églises évangéliques dans les quartiers dits difficiles parce qu'elles pourraient apporter cette, voilà, ce, ce travail, ce rôle de, de pacification euh, euh, chez une partie de la jeunesse. Quel est le rapport des églises évangéliques à l'église catholique bah, euh, Vous avez vous voyez, une, enfin, vous voyez, moi ce que j'ai croisé dans les églises évangéliques, encore une fois, c'est une porosité. Hein, là, vous avez des fidèles euh, catholiques qui se retrouvent aujourd'hui dans les Églises évangéliques, elles y trouvent en tout cas, selon leur témoignage que j'ai recueilli, je vous dis pas, euh, j'en fais aucune généralité, voilà, elles y retrouvent quelque chose de, de vivant, euh, de moins austère, et surtout, ah oui, je sais que j'ai trouvé passionnant, c'est euh, de moins intellectuel. Alors, pardon, hein, c'est un peu curieux de dire ça comme ça, mais voilà, il y a une religion, c'est les, les Évangéliques est une religion assez pratique, si j'ose dire. Qu'est-ce euh, que vous entendez par là bah, quand vous rentrez dans une église évangélique et quand vous écoutez le culte, c'est très concret en fait. Vous avez des réponses très concrètes au, au, voilà à, à l'existence voilà, que vous menez. Vous donnez un exemple très précis. On est quelques jours mmh. après Pâques. Au moment de la résurrection, dans l'évangile, il y a un passage très concret où euh, Jésus dit on, on, on raconte que le, son linceul, il l'a plié, il l'a mis sur le côté. Et vous dites bah, les pasteurs en profitent pour dire il faut ranger sa chambre. Exactement. Non seulement ils le disent, ils s'adressent au fidèle du... vous, vous voyez, Jésus, il viendrait, vient de ressusciter. Bah, Qu'est-ce qu'il qu qu fait, Jésus et bah, il, il plie son linceul. Et alors les, les, les fidèles sont un peu ébahis, etc. Et ensuite ils s'adressent à la communauté de fidèles, ils disent euh, maintenant dis à ton voisin, plie ta enfin, range ta chambre. Et les, tous les fidèles s'adressent à leur voisins en dire range ta chambre. Et, ils se, et voilà, ils s'appliquent à le faire. Voilà, c'est typiquement le, voilà, le registre que vous trouvez dans les, euh, dans les églises évangéliques. Et ce n'est pas, pas, voilà, pas propre à celle-ci. Hein. Il y en a plein d'autres d'exemples de ce genre. Voilà. Et les évangéliques sont-ils en train de devenir un enjeu électoral On disait 9% d'autres chrétiens, alors qu'ils n'étaient que 2,5% euh, il y a 10, 10 ou 12 ans, euh, aujourd'hui sont-ils un enjeu électoral bah, De fait, c'est un gisement de voix. <laughs> Personne ne va dire le contraire. Mais compte tenu de la diversité de ce mouvement, je pense qu'il est très compliqué pour les hommes politiques de se l'approprier. Et c'est ce qui, malheure enfin, malheureusement, je dis malheureusement, c'est même pas malheureusement. C'est ce que certains ont tenté de faire. avec. Qui ça. Bah, vous avez un Éric Zemmour qui a chassé du côté, euh, si j'ose dire, euh, des, des évangéliques avec peu de profit si j'ai si bien compris les, 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 les comment on appelle ça les euh, Chouanet, par exemple du Knef qui vous explique bon ben voilà ça n'a pas si vous voulez ça n'a pas pris voilà parce que c'est trop il y a une trop grande variété c'est euh, c'est pas possible aujourd'hui on voit que les méga churches américaines euh, qui sont euh, la cible ou en tout cas qui sont euh, qui sont réputées être la cause d'abus euh, je pense à des grosses méga churches qui ont fermé aux États-Unis aujourd'hui le mouvement des églises évangéliques en France est-il selon vous un mouvement durable il vous faites poser des questions de bon matin, c'est compliqué. Non, je, 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 je vois que simplement ça s'inscrit effectivement dans une, dans une recherche, Enfin, ça colle à l'époque. Ça, c'est la première chose. Ça colle aussi sans doute à, en France à un, peut-être une aspiration. à, à Parce qu'il y, y a quelque chose que, dont on n'a pas parlé c'est que vous avez dans les églises évangéliques un, quelque chose d'assez fort, une sorte de coaching spirituel. Vous franchissez, vous poussez les portes de l'église évangélique, vous êtes revigoré à l'issue du, du culte. C'est extrêmement revigorant, à la fois les chants, à la fois les sermons, à la fois euh, la tonalité, le rythme même, et puis parce que vous êtes quand même bien dans une ambiance assez conviviale, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, il y a un coaching spirituel que vous ne retrouvez pas forcément dans les autres églises. Voilà. Et donc, euh, est-ce que c'est un mouvement dur Je n'en sais strictement rien. En tout cas, ce encore une fois, ça colle à l'époque Peut-être que ça s'inscrit, euh, voilà, dans, euh, dans cette France contemporaine. Ça dit beaucoup de choses de la cette France contemporaine. Et encore une fois, à la faveur des flux migratoires, euh, eh bien, euh, ce, ce, ce mouvement s'en nourrit. Euh, voilà. Donc, euh... merci en tout cas Benjamin. Mais je vous remercie. Merci à vous de, de m'avoir parlé. ce matin, vous publiez Évangélique, les nouveaux croisés. C'est publié aux éditions de l'Observatoire.